Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on sera sur le savoir de Monsieur Ras Super Ama for Life. On sera en police. Le type de la patrouille, ça sera CRS. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. De temps en temps, je fais quelques lives dessus. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. À droite. Deagle, j'ai une Golf côté Est Union. On va faire un contrôleur. Noir, noir. Elle est noire, elle est pas camo. Elle moi, revient vers l'info. Bonjour, coupez le moteur, vous descendez dans le véhicule. Golf 40, tu viens de traverser Union, ça part vers les CRS, au nord. Ouais, pour l'instant, je suis au niveau du parc. Bonjour monsieur, commissaire de Falchurch, je vais effectuer un contrôle total sur vous et votre véhicule, j'aimerais que vous puissiez un pays d'identité en permis de conduire de carte de l'esprit. Transmettez. Vraiment, la Golf Camo serait devant. Faites feu sur la Golf, elle vient de me renverser, faites feu. Délite fuite de la Golf Camo, il vient d'écraser le BM, moi je prends un fuite. Vous avez reçu? J'ai reçu, j'ai reçu. Golf de nouveau disponible. Oscar d'Alpha, Oscar d'Alpha, les individus dans la Golf Camo ont tous été abattus par BM, 4 individus au sol. Bah c'est reçu, je vous laisse contacter avec les sapeurs-pompiers. Pour un véhicule, c'est sûr. Ouais, bien joué, bien joué. J'ai abattu quelqu'un. Ok, le je voulais retenir Codis. J'ai mis deux balles. Ok, vous pouvez me mettre sur le côté ici, s'il vous plaît. Le tribunal, c'est pas où, s'il vous plaît. Le passager d'essence, s'il vous plaît, il est avant lui. Le passager, c'est pas censé prendre. Je vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. On va barrer la route. Oui, je l'ai reçu. Ok, vous mettez les mains sur le capot avant. T'as fait feu sur tous les civils qui étaient autour ou quoi? Non, non, c'était tous dans la voiture. Ok, c'est bon pour moi, monsieur. Monsieur, vous pouvez remonter ici dans le véhicule, s'il vous plaît, vous faites un bon travail. Y'a Laure qui me dit tire. J'ai tiré, je vois 4 corps sortir. Tu l'as fait fort là. Ouais, l'effet strike. Ah ouais. Non. J'en ai une, je clip. Y'a vous de sécurité. Je vais retransmettre BME de Ray sur privé. Ouais, vous aviez cité les droits à l'individu. L'auto-école, avancez encore un peu s'il vous plaît, jusqu'à moi là. Ouais, c'est ok. Sur... Non, 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 on a rien fait. Non, parce que le gars était coupé le moteur, vous descendez de lui. À l'avant. Bonjour monsieur, CRS de Falchurch, vous pouvez me présenter une pièce d'identité, contrôle de location. Oscar de Bague, une charge. J'ai un refus d'obtempérer d'une Golf noire direction Pont Jamestown, Costa del Mar. La famille foncée danse sur Union, refuse de s'arrêter. C'est reçu, ERI d'Oscar. Véhicule ouvert ou pas? Transmet. Je vous laisse aller sur la position de BAC, BAC, Alpha et ERI, vous avez communication directe. Suis. Mettez les mains sur le Oscar de Bague. Transmettez. Interpellé. Réitéré. Interpellé. Ah, c'est reçu. Ok, tout est bon pour monsieur pour monter dans le véhicule et circuler sur le Oscar de Codis. Ouais, a... Tu disais quoi, Bosco? Il y en a encore un refus d'op là, non? Ouais, il a interpellé le mec par bac. Je laisse contrôler la Golf, je m'occupe de l'eau derrière. Codis d'Oscar, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Transmettez. On a une balise de monsieur Kopaski. Vous pouvez me terminer à l'avant. Bonjour monsieur, c'est Razé Falchurch, je vais faire un contrôle total sur vous au niveau du véhicule. J'aimerais une petite identité pour me conduire une carte. D'accord, merci bien. Tenez. Okay. Et tenez la partie de l'autre. Merci. Le véhicule ouvert, monsieur. Score de bec. Rien d'illégal ni dangereux. Donc Harry gère l'intervention donc sur l'individu qui a fait le sur Union. Je retourne en patrouille normale. Je suis. Vous avez votre triangle ou pas, monsieur? Ça va, depuis tout à l'heure. J'ai pas encore le temps d'aller l'acheter là. Ah bah il y avait une station service juste un peu plus loin là, sur la gauche, monsieur. Oh, bah on a tout dans les stations service. Oui, monsieur, le triangle peut être achetable dans les stations service. Oh, on peut y aller, que dans la fois que je vous le rappelle, monsieur, la prochaine fois je vous verbalise. Ah bah là, de toute façon, là, je vais l'acheter.
Bonjour monsieur, CRS de Pacha, je vous fais un contrôle total sur votre véhicule, j'aimerais que vous me présentiez une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise, s'il vous plaît. En fait, je viens de me faire contrôler il y a 2 minutes. Ah ben monsieur, même s'il y a 2 minutes, chaque fois que vous passez, c'est un contrôle. Non, mais il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Si jamais, je sais pas si tu es au courant que. Pour ce qu'il va y avoir, on recherche Durant Oliver. Si je vais véhiculer. Ok, ça marche. Il n'y a rien de dangereux ni d'illégal dedans, monsieur? Non, fouillez-moi si vous voulez. De toute façon, je vais vous fouiller, monsieur. Bougez pas. Scar de BMO. On se mettait BMO. BMO sur Union City avec patrouille Alpha, du coup, pour l'AVP impliquant 4 personnes. C'est bon pour monsieur, pour monter dans le véhicule, s'il vous plaît. C'est reçu. BMO, un disper, tu partiras ton panneau de police, s'il te plaît. Ouais, j'arrive, je viens de terminer. Ok, merci. T'as vu comment il est parti? Il a les mains sur la tête. Ouais. C'est pas que moi qui l'ai vu comme ça. Trop fort. Qu'est-ce qu'il nous fait là-bas? C'est là où ils sont arrêtés tous ou? Ouais, c'est là où ça. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait sûrement ne plus avoir grand chose. Ah oui, il a fait un strike, ça prouve. Bah après, s'il a vraiment tiré plus de cartouches, ouais, tout dépend comment il a tiré et comment il les a eus. Bah comment ils sont sortis, s'ils sont sortis du même endroit au niveau du véhicule, les quatre en même temps, Oscar automatiquement. Oscar a toutes les unités, Oscar disponible pour un contrôle total au niveau du commissariat central. Suivi d'Alpha. La dernière fois quand on était en format, que c'est toi, t'étais venu après, je crois, récupérer le gars. Ok. La dernière fois quand on était en formation avec avec Bowman. Le gars, il voulait essayer de passer là-bas sur la grille pour aller vers Wonderville, on l'a barré avec une déviation, il klaxonnait, il n'arrêtait pas de klaxonner. Il arrive vers nous, Mepi met un panneau halte police déjà avant. Qu'il arrive et je lui dis de s'arrêter, il s'arrête pas, il essaye de longer, tu sais, il essaye d'éviter Mepi, quitte à vraiment et longer la glissière, mais c'est la glissière pour avoir plus de peinture sur sa voiture, il lui a roulé sur le pied. Ah, il a refait le tour, on ne sait plus. Ouais, celui qui vient de passer. Ouais, ouais. On va le laisser passer. C'était le même gars d'ailleurs, quand on posait les grilles là-bas, il est venu à toute balle à côté là. Ouais, je sais, ouais, c'est celui qui t'a revu comme ça, je t'ai. Ah, bah oui. Allez, vous pouvez y aller. Vas-y. Allez-y, allez-y. Oui, celui qui était revenu au commissariat qui gueule. Ouais. Parce que c'est ça. C'était la vraie connerie, ce qui lui a été fait. Je lui ai dit, bah, vous avez une GoPro. Bah, non. GoPro. C'était marrant. Il m'avait déjà bien énervé quand il a failli tailler un short à Bowman. Bah, c'est surtout que le mec, il nous l'a bien avoué, il nous a dit la première fois je les ai évités, et il est quand même repassé une deuxième fois, puis une troisième fois. Dit, bah, la première fois, on était en train de poser les premières au fond, donc il passe à côté. Il continue sur l'autoroute. On continue, on a fini, on arrive sur la grille suivante. Donc il voit bien le véhicule avec les gyros allumés. Il se dit, bah, vu que la première fois il posait des grilles, il doit poser encore des grilles après. Et il passe à fond de balle à côté de Bowman, quitte à, même ici, à frôler la barrière en béton. Alors qu'il y avait largement de la place de l'autre côté hein, pour qu'il soit dans la voie de droite. Hein. Demande d'autorisation de communication avec les pompiers pour avoir un état de leur intervention. Autorisé, vous pouvez. Et après, il fait encore le show, il fait demi-tour pour revenir sur nous. Ouais, rien du tout là pour l'instant. À part le refus d'op, et bon, il y a Deagle qui a fait un carton dessus. Hein, Deagle, ton strike, on en parle. Là, mon strike, je User left to a channel. J'avais mieux fait hier avec juste avec Vino. Enfin, je sais pas si c'était Vino avec des verres.
Juste pour ça, vous avez bloqué l'accès à deux fois deux voies pour qu'on ait plus personne ou... Moi je crois, vu les voitures en travers. Vous avez une corde pour que je puisse me prendre CRS? Ouais, oui, oui, et attaché en plus sur la boucle d'attelage à l'arrière du véhicule. Ouais, en fait, vous voulez me tirer comme un gibier mort, quoi. Après, je suis pas sûr qu'ils allaient te tuer à l'avant s'ils te laissaient te tirer. Je pense qu'ils te tiraient encore mieux. Ils allaient me quiller, ils me fonçaient de haut. Oh, putain, c'est trop craqué. Ils allaient me quiller. Ok, j'ai fait, j'ai tiré, j'ai rafale. Mais sauf que quand j'ai rafale, il y en a pas un qui est descendu, il y en a pas deux, il y en a quatre qui sont sortis. Il y a les pompiers qui arrivent, il y a les pompiers. Pour information, les pompiers arrivent vers nous et va aller sur les deux fois des voies. Hein. Ça roule. Non, là où on est, là, c'est un bon point stratégique. Là. Ouais. Bah, c'est le seul endroit où on est susceptible d'avoir du monde. Mmh. Ceux qui vont sur la deux fois de voie pensant qu'ils peuvent passer par aller à Wonderville en passant là. Là-bas plus haut, ben non, ils sont bloqués, ils sont obligés de venir sur. Hey, j'ai vu un truc aussi, un problème, il va falloir que je le remonte à The Programmer. Mais sur le permis de conduire, il n'y a pas les camions. Il n'y a plus les camions. Ouais, et on ne voit plus quand il a le permis de conduire. Camion, c'est trop chiant, tout à l'heure, je me suis putain, il faut que je l'interroge. Il y a une ambulance. Oh. Allez, cours. Elle tape la herse. Bah, il le fait, tant pis. Hein. On va l'isage. Bonjour. Très bien, parfait. Hop. On va me présenter une pièce d'identité, le permis poids lourd, la carte professionnelle. C'est pas l'air, c'est le balisage. Je vous ai dit tout à l'heure. Ok, non, vous avez fait l'intervention? Ouais, ok, allez, pas de soucis, on vous laisse passer. Allez-y, je vous rends quand même la pièce d'identité. Allez-y, allez, bon courage. Voilà, comme ça, s'il y en a qui veut essayer de forcer en allant tout droit, bam, dans le panneau. Il ne pourra pas dire qu'il a pas vu le panneau halte police. Là. Quoi, il s'est tapé? Non, j'ai dit s'il y en a. Non, mais il aurait pu, quoi. Il aurait pu. Mais il y en a un qui avait essayé de passer à travers les plots, il a pas. Non, mais tu sais, il y en a un, comme j'avais expliqué, il y en a un hier. Non, mais c'est ce qu'on a expliqué, je lui ai dit avant, parce que... Oui, parce que c'est moi qui l'ai récupéré. J'étais en CRS alpha. Ouais. Et ouais, vu qu'il y avait aucune sécurité publique, on l'a récupéré. Mais tu sais qu'il est venu, il collait la poussière comme ça, et il était à l'allure comme ça. Et le panneau, il était là. Et moi j'étais ici. Ouais, Bowman il a expliqué. Ouais. Bowman il est revenu avec moi après. Et du coup, le mec il est revenu pour avoir des explications. Il trouvait pas ça normal et tout. Tu m'as déjà entendu m'énerver quand tu as dit que c'était la deuxième non. fois. Non, puis j'ai pas envie. D'habitude ça m'arrive pas. Mais... Vraiment... En fait, je me serais même pas énervé s'il m'avait même pas écrasé. Quoi, mais... Tu voyais le mec chercher à forcer le parage. Ouais, ça fait deux à l'époque. Allez, avancez jusqu'au panneau halte police. Oui, bonjour. Allez, avancez jusqu'au panneau halte police. Voilà, vous coupez le moteur, vous descendez du véhicule, on est à l'avant, monsieur. Sortez du véhicule. Oui, c'est sûr. Un barrage CRS, du coup, on va vous demander de présenter les pièces afférentes à la circulation en mise en circulation des véhicules. Okay. Alors, permis de conduire, carte grise. Il me faut également votre pièce d'identité et votre carte professionnelle. Yuri est dispo ou pas? Ouais, pour Yuri, je reviens sur le barrage là. Ouais, c'est bon. Si, si, il était là. Alors, mais il a... bordel dans l'union, non? Ah oui, mais c'est le strike de Beagle, ça. On essaie d'organiser dans l'union, mais c'est compliqué.
Si, si, il est venu, il est juste eu le temps de se garer quand ben, justement le véhicule où ils ont fait un strike, deagle a fait un demi-tour sur l'autoroute pour repartir. Il a pas eu le temps de descendre le pied du véhicule qu'il était bon pour repartir dans l'autre sens. Tu sais quoi, je crois que deagle, dans l'histoire de deagle, je pense qu'il y a une balle qui a touché le véhicule, ça a tué les 4 autres. Parce que des fois la logique de l'île est assez spéciale. Tu touches le véhicule même sur le pneu arrière, ça peut tuer. Non, d'après moi, ce qui s'est passé, c'est que les quatre ont sorti, ils sont sortis en même temps et que automatiquement ils sont sortis au même endroit du véhicule. Ah oui, c'est tout le temps. Ma foi, voilà, hein, c'est ça de vouloir faire les malins. D'ailleurs, la 205, on en fait quoi? Ok, nickel. Allez, je rentre au papier. Je me donne des pétillants. Ouais. Merci, au revoir. Vous avez une mission? Vous avez une mission, monsieur, ou pas? Actuellement, oui. Oui, ok, pas de soucis. Allez-y. Ça va bien sur les contrôles, du coup, les CRS? Au revoir. Ouais, fui, je vais vous faire demi-tour ici. Ah oui, vous pouvez y aller faire ce demi-tour. Oui, oui, Oscar de Bec. Transmettez. Donc, pour vous annoncer une fin de service de spécialisation et une fin de service du lieutenant Sanchez. Ça sent l'arme lourde là-dedans. Une continuation et une bonne soirée. Suivi d'Oscar, bonne soirée. Bonne soirée, lieutenant. Alors qu'il était en bague dans le commissariat d'Union. Oh là là. C'est après coup que j'ai remarqué que c'était un bac. J'ai commencé à lui gueuler dessus. Qu'est-ce que ça fait? T'aurais dû faire. Bon, vous allez vous prendre une amende, entrer dans un commissariat sans autorisation. Et vous allez vous prendre un billet d'avion également. Oui. Comment ça, vous avez un truc de portail en plus? C'est intéressant ça, c'est pas un objet métier. Et en plus, vous n'avez pas de permis de conduire. Ah bah ça tombe bien. Mais j'ai une carte, mais je m'en fous de votre carte. Non, mais je crois que le plus drôle, c'était hier, on a chopé les deux trois qui étaient recherchés. D'ailleurs, il y avait TAC. Ils ont bien joué leur jeu, ils ont commencé à foutre la merde sous contrôle. Ah oui, non, mais ouais, c'était le meilleur. Bosco, je sais pas si je l'ai raconté celle-là hier. De quoi? Hier, il y a des personnes recherchées, ils avaient quoi, une Supra ou un truc comme ça. Et ils ont atterri sur un toit. Ils ont atterri sur un toit. Ah bah ça, c'est encore mieux ça. Comment ils ont fait pour. Atterrir sur le toit. Bon, bref, il y avait Kopaski dans le tas, ils se barrent Kopaski du toit. Bon, il se fait arrêter, tasé, machin. Et il y a Sanchez en bas qui le ramène à son véhicule. Oh bon, Kopaski qui essaie de jouer un peu avec Sanchez, façon de parler oralement. Et que Sanchez qui lui sort, vous avez déjà baissé d'un ton. Alors il y a Kopaski qui lui sort, de toute façon, j'aime pas le ton. Oh, c'est un gamin. Heureusement que des fois, ils peuvent être quand même drôles avec les chevaux. Ah, un petit amour qui est arrivé. Ouais. Non, mais l'histoire de hier soir avec Bax sur le contrôle terrestre, t'as moyen. Pourquoi il met sur la tête pour faire malheureusement sur... Ah bah, c'est ton choix. Je le laisse, je suis. Bonjour, vous coupez le moteur s'il vous plaît, vous descendez du véhicule, vous venez à l'avant. Oh. Bonjour monsieur, CRS de Falchard, je veux que tu aies un contrôle total sur vous et votre véhicule. J'aimerais que vous me présentiez une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise. Ouais, c'est calme. Des Hugo, je vous ai déjà contrôlé avant, monsieur, non? Oui, c'est ça. Okay, c'est votre véhicule? Oui. Ok. Vous pouvez voir le véhicule, monsieur, s'il vous plaît? Triangle des gilets de sécurité, donc ça c'est bon, c'est dedans. Vous venez à l'avant, vous mettez les mains sur le capot. Rien d'illégal ni dangereux sur vous, monsieur? Non, non. Ok, tout est bon pour monsieur pour monter dans le véhicule et circuler. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. J'ai besoin du grade réel. Continuons, c'est tout. User joined your channel. C'est quoi les agents de SKU qui arrivent là, non? Oui. Ah, par contre, non, pas le véhicule de droite. Ah, si, le véhicule de droite aussi. Tu ah. Je sais que mes officiers ils m'ont déjà demandé, ouais, tu veux... toi tu seras notre futur officier. J'ai regardé, je fais à une condition. Tu vois la maison. Ouais, tant que je rentre dedans, je m'en bats les couilles. Mais ouais, bah, tu vois, mais t'inquiète pas. Souvent, de certaines interventions, il y a que des officiers. Ah, bah, c'est bon.
C'est magnifique, t'entends ça, ouais. Tu sais, il y a une année, il m'a téléphoné, tu sais, un soir. Donc, ouais, ça te dirait de passer ses officiers. Oh ouais, j'attends toujours. Oh non. C'est qui spam? Hein? C'est qui spam? Je sais pas, j'ai enlevé la 80, sinon je m'en sortais plus. Non, pas sur la 80. User non, left your channel. Non, j'ai pas pris. User joined your channel. Ah, c'est Capulet. C'est Capulet qui spam. Qu'est-ce qu'ils nous font les agents de sécu? Un partage lumineux ou non? Ah, ils ont un peu de lumière. Bonjour! Merde, c'est le monsieur. Ok, on va laisser passer. Non, c'est pas moi. Ah, si, c'est vous. Si, si, allez-y, vous pouvez circuler. Ah, je vois pas de quoi vous parlez. Ok, allez-y. Allez-y également. Merci. Ambulance qui arrive, attention. Boum. À ce qu'il paraît, Kopaski, il a pété la Golf 6. Enfin, il a volé la Golf 6. Donc sur privé pour Deagle, on attend le chargement de la Golf des dépanneurs et ensuite on se tire au quart de nouveau disponible. Si je suis donné, il a pas pris la voie du milieu pour se taper la herse. Bah c'est bien, il a respecté quoi. Mais comment j'aurais rigolé qu'il respecte pas les petits... Ah mais là, c'est quoi. Il vient de faire du cuivre. Ouais, c'est du cuivre ou un truc comme ça tous les coups. Les collègues qui arrivent. Pierre qui arrive. Lorc, tu sors privé, tu m'entends? Ouais, je reçois. Yep. User left your channel. Suivi. C'est vrai, vous ennuyez pas trop, ça va? On a des armes. Nous aussi, on en a. Ouais, non, ça va, on a du boulot, nous. Hein. On a un métier. Ça paraît bizarre, mais il me semble qu'on fait le même métier. Vous avez déjà rencontré là, Maxime Figo? Samedi, qui est sur sa vie. Je pense qu'il y a deux secondes. Ouais, mais faut quand même son véhicule, lui, on sait jamais. Commandant de loin comme vous êtes. Allez, Alpha Romeo Rouge, ok. Au cas où, il y aurait peut-être une Alpha Romeo Rouge qui aurait été volée vers l'aéroport, il pourrait peut-être venir vers toi, Mappy. Ouais, peut-être. De toute façon, je pense que si elle me voit, elle va faire demi-tour. Ouais. Alors, c'est bon, le Golf 6 est chargé. Ok, donc les dépanneurs, vous leur dites de partir pardon, sur Jamestown. On va voir avec une sécu publique. De toute façon, c'est Alpha qui prend le relais. Ah bah non, c'est Alpha qui prend le relais. Si, si, si. C'est Alpha qui prend le contrôle. Les dépanneurs, vous les envoyez sur Jamestown puisque Kopaski part sur Jamestown. Et il part sur lesquels? Il part sur la 83? Ouais, il part sur la privée. Oh le bordel qu'il a fait, des gueules. User left your channel. User joined your channel. Comment ça prend quoi en point négatif? Ce Martin me disait aussi tout à l'heure que il avait du mal à. Eh, une question, lorsque t'as posé la question pour mes jours de congé là d'assurance maladie suite à l'accident de tout à l'heure là. Non. Ah non, pas du tout. Je me rappelais plus rien à part que j'avais encore 16 ans et que j'étais en train de faire mes devoirs à la maison. Non, t'as pas osé. J'ai pas osé dire là. Ça, non. Non, mais en fait, j'ai eu un gros dessin que mon casse-croûte, du coup, on a tapé dans le véhicule quand il va. Après, j'ai fait genre que je me rappelais plus rien du tout, je me rappelais juste que j'avais 16 ans et que j'étais en train de faire mes devoirs à la maison. Que je me rappelais. Puis après, on arrive. Il fait comment il reste seul? Les pompiers m'ont... Bah c'est la dire, je lui demandais. Non mais attends, le pompier là, il reste seul. J'étais avec des verras comme collègue et ça vous verra quoi. Bon bah écoute, voilà, c'est parti, tu peux y aller là. Non mais je le connais pas, on m'a dit pas par les inconnus. Mais t'as vraiment le pompier. J'ai commencé à dire... Ah oui, c'est ça pour ça que après j'entendais... Ouais. J'étais en train de courir, je me disais... Non mais laisse-moi.
J'ai téléphoné à la 17, tu sais, mais sur Oscar. On dit, ouais, y'a quelqu'un de bizarre, il me poursuit, il est méchant et tout. Ça devait être marrant sur le coup. Ah, ouais, c'est... j'étais mort de vie, j'arrive à même plus, quoi. Le bluff, là, il a bien joué le jeu, franchement. Ah, bah après, oui, il faut jouer le jeu aussi. Je sais pas s'il avait la GoPro, parce qu'il a la GoPro, ça va être bien drôle de regarder. Je sais pas, là je sais qu'il a la GoPro, mais après. Oui, en général, c'est en général, il est là pour ceux qui viennent. Je pense qu'il devait l'avoir parce qu'il est quand même venu un bon moment cet après-midi. Oh, mais c'était épique. Ça se calme un peu là. Ah, c'est une méthode à faire. Je passe devant l'orque. J'espère que tu vas retrouver le. Les vols de véhicules, enfin de véhicules volés du coup. C'est un alerte de police. Ah mais oui, c'était à l'aéroport. Okay. Voilà, l'aéroport du. Il faudra un plateau sur le barrage Chiré sur la 2x2 voies pour prendre un véhicule que votre collègue a laissé. Ouais, la 205, il fallait la ramener au commissariat du monde. Merci. Ou pomme. Ouais, il en a terre. Boum. Allez, Mopi. Ah, il arrive à voir. Oh, il va prendre la déviation, tu vois. Ah non. Ah, je pense qu'il l'a compris. MCD. Crotte de bique, hein, je remets pas la RC. Il y aurait eu un véhicule qui arrivait de la droite, c'était fini pour lui. Ça se passe bien chez vous. Il a pas ah, très bien. Non, mais vous êtes en train de prier pour que les civils y prennent vos airs. Oui. C'est surtout les ambulanciers. Moi, mine de rien, c'est dégueulasse. Hein. Et après rien, les airs, j'en ai plus qu'une. Moi, une qui a tapé sur Valk et l'autre qui a tapé sur la poêle. Non, 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 bah normalement, il n'y en aura plus besoin. De toute façon, j'en avais pas. Ah, un dépanneur. Oh. Ah, ouais, ça c'est tiens, le ça, ça mérite, moi ça je dis que ça mérite une mauvaise. On va faire se présenter, on va le laisser passer. Non, non, c'était deux fois qu'on attendait. Deux fois qu'il va toucher la 205. Ouais, je pense qu'en plus il vient pour nous. Ouais. Du coup, s'il a les clés, il la refermera. Il mènera pas le charge, pour ça je peux la détruire là-bas. Quoi, elle part en destruction? Bah, refus d'op. Bah emmène-le à... Ouais, Falcher si tout le monde... Non, allez. C'est où Jamestown? Non, qu'il a, le ramène au commissariat central, apparemment il y en a qui est là-bas. Qu'il a quand même... Il est là-bas. Ouais, il est... Oscar de CRS. Non, c'est pas. Il y a une unité au commissariat de d'Union. Négatif normalement, si une unité au commissariat d'Union peut-elle se parler à l'heure. Bon, tant pis alors. Il y a une unité, où il y aurait une unité dans un commissariat. On peut se rendre au commissariat de Fulchurch si possible, si besoin. Ouais, c'est bien reçu et on va vous faire ramener une 205 à mettre en destruction là-bas. Ouais, c'est reçu. DP, Oscar de BMO, transmettez BMO. Donc pour BMO, fin d'escorte CHU pour monsieur Kopeski, le relève va être pris par patrouille Alpha. Un truc qui a bien marché hier. C'est bien suivi pour la patrouille Oscar. C'est de se mettre en CRS sur un chantier de la dire sur la 2x2 voies. Ça aussi c'est pas mal efficace. Sur un chantier de la dire. Ouais, quand il ferme une voie, tu chappes tous ceux qui vont sur la voie fermée. Ouais, du coup t'as pas besoin en plus oui, de... Ah, de baliser. De baliser. Hein, de baliser. Tu mets en gilet jaune, ils croient que t'es des gars de la dire, tu les chopes. Là ils font la gueule parce que tu leur mets une mise en danger, une petite gueule derrière dessus, les gros trucs tu saisis de la le véhicule et tu je vois qu'il y en a un qui a essayé déjà. Ah, le meilleur, c'était épique, franchement. Non, il a tiré et la gueule. Et c'était nous du coup. En fait, ils étaient sur la 2x2 voies depuis Vendée-Avée jusqu'à Union. Puis nous on était juste au bout à Union, on regardait avec la jumelle comment les gens voulaient. Et on chopait les gens au fur et à mesure qu'ils faisaient de la merde. Même pas les excès de vitesse, mais déjà rien que le fait de rentrer dans le balisage et tout, on chopait. Puis on mettait les amendes, on saisissait le véhicule et le permis. Il y en a deux, ils sont arrêtés juste là, au niveau de Vendée-Avée, pour manifester. Ils sont arrêtés au premier de la 2x2 voies pour manifester.
Ah ouais, ils sont que deux, ça va pas aller loin. Ah non, non, mais j'étais que deux. Enfin, au début, j'étais un, après, il y a un deuxième qui est arrivé, on s'est arrêté. Je suis allé vers eux. C'est quoi, un ambulancier qui arrive? Manifeste. Je fais genre, ah bah descendez, on va contrôler vos papiers, puis je les ai arrêtés. Ouais, avec les gyros d'activer. Attention. J'aurais mis un. J'aurais bah, mis... il en a eu 4 en digueule, hein, donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est passé au commissariat, c'est très peu. Oui, il y a les vrais travailleurs qui arrivent. Ah bah ouais, les vrais travailleurs, on les a pas beaucoup vus. Quoi, les allons pas dire? Oscar de BMO. Transmettez. Est-ce que vous avez eu vent d'une mise bleu, en prison par monsieur Alex Garbis récemment? Oui, affirmatif. On aurait apparemment une tentative d'évasion du côté de la prison. Est-ce que vous avez de l'info du côté des agents de sécurité, Oscar? Négatif, pas d'information, je vous laisse communication avec la sécurité. Ok, donc pour information, rien n'est sûr, mais Codice a une balise sur la prison. Donc je vais prendre de l'info chez la sécurité et puis je reviens vers vous. Si Codice a une balise, c'est quoi? Je crois qu'il est mort. Il a pas essayé de s'évader. Ou il a essayé mais il a raté. Par contre, ça peut être limite du tentative de suicide RP, hein, non? Bah, ça dépend ce qu'il a essayé de faire. Quoi. Parce que s'il essaye de se jeter de dessus des tours. S'il a essayé de sortir, vu la hauteur des tours. Ouais, c'est pas dangereux, c'est un suicide. J'ai déjà contrôlé. Lui. Il voulait pas se suicider, il voulait juste sortir. Hein. Il était sur le balisage, sur l'accident. Alors que c'est mon PL. Mathias? Oui. Ouais. Ouais. Vous pouvez y aller. On peut faire un repli du barrage et retour commissariat, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il faut que je tape en plus une recherche. Ah, j'ai perdu l'air, oui, on peut. Ah, ils sont en tout cas, BMO, on les aura pas souvent vus, hein, quand même. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, et Harry non plus, hein, il est venu juste à la fin. Putain, et bientôt, GPL, elle va me ficher ça avec ce que je viens de faire. Moi je dis CRS, ils sont pas trop respectés, hein. Plusieurs refus d'offre, plusieurs refus de contrôle. Je sais pas qui c'est qui respecte pas qui, hein, parce qu'entre un gars de BMO qui tue 4 personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.